Mercredi 23 septembre. Quelques vieux débris sont déjà sur le parking. Et là-bas, nous avons le plus vieux débris peut-être du lot, Jean-Luc Prignol. Ah, vieux débris construction amateur, je parle bien du chariot et non pas du pilote du vieux débris en question. Oui, du vieux débris qui se trouve dans le soleil brillant du Perche. Ah, je te reconnais bien là. Guy, c'est bien toi qui es devant moi et c'est un indice du bonheur de cette journée. Merci, cher public. Et je veux entamer ces longues journées par mon cri de guerre. L'air, c'est la vie. Donc Jean-Luc envisage d'être prêt pour vendredi, peut-être samedi, ce serait pas mal. Ne te mets pas devant nous. Voilà. Oh, elle se redessert, on a un problème là qu'on ne sait pas régler non plus. Tiens, pendant que j'y pense. Ah non, il faut que le chariot soit mis. Ah oui, c'est ton. Bon, ça, je ne sais pas l'importance. Alors. Ça commence, il faut que ça aille jusque là. Alors, attends, faut la... Accouplement. Faut passer la roue. Par... Jean-Luc en situation d'accouplement. Non, tu vas t'emmerder après. Si. C'est quand on va. Il a absolument eu raison. Oui, pour bête. Enlève-le, Philippe, on recommence. Non, il est bon. Alors attends. Avec le tournevis, tu peux pas. Non, mais le tournevis, je ne l'ai pas forcé comme un malade. Non. Je vous signale que c'est de l'aéronautique, hein, on n'y va pas à la masse. Hein. Alors, tu veux un coup de perceuse? Non, alors si il faut ramener le... On fait un trou à 16, là, ça va y aller. Alors la position été et la position hiver, vas-y. Alors la position hiver, c'est ici. Jambes serrées pour protéger les robignoles. C'est-à-dire que les avant-bras doivent être en position que la circulation se fasse. Ah ouais, voilà. D'accord. Ouais, mais le trapèze, il va pas. Là déjà, regarde, ici, mon bras est horizontal, et si on le remonte, je vais avoir le bras comme ça. Ah oui. Je savais que tu étais un spécialiste des positions, mais à ce point-là... Ah, c'est la nouvelle règle des 38 positions. Faut que ça circule, quoi. 36, il faut que tu retournes d'abord. Ça descend. Non. Ça, oui, après, et il insiste, non. Alors, Gilles, voilà. Vous êtes trop beau. Le chien avec un sourire. Vous qui aimez l'air autant que moi, oui. Dites-moi ce qu'il faut comme conseil aujourd'hui pour voler. Oh, à vous, comment pourrais-je donner des conseils enfin, dis-moi simplement que j'ai envie de voler. Simplement, oui. J'ai envie. J'ai envie. Eh ben, vas-y, ma poule. Eh ben. Allô. Gilles Pernet sur son Pathfinder qui date de 82 ou 3. T'as vu un peu la pause qu'il fait? Nickel. Il doit être content pour tout. Ouais, il a dû dépasser le truc. Bravo! Fais avancer là-bas, ouais. Alors on va filmer le réservoir d'essence. J'ai mis une heure. Voilà. Le réservoir d'essence, il n'y a plus grand chose.
un réservoir. Je ne savais pas trop où me poser dans le quartier. T'as dépassé un peu, non? T'es arrivé? Non. Je veux dire, j'ai fait une route assez directe, parce que tu vois... Il est content d'arriver. Oh, dis donc, je le voyais, il est vraiment d'époque, le truc. Hein? Ah oui, là. Oui, il est d'époque. Michael. C'est la première vache quand même. Ouais, c'est bien. La deuxième, on a vu. Sur la piste, Michael. Racontez-nous. Racontez-nous. Une interview. Ouais. Ben, ça y est, je sais ce que c'est. Les boîteaux. Non. Ah non. C'est le machin. Qui se ferme. Qui prend l'air. Il se referme parce qu'il est plus dur. Bon, j'en ai commandé justement. Ah merde. Bon, il faudrait qu'on trouve un robinet de Quick là. Des petites ficelles. Salope. Pas le mien. Ah, si, c'est du vieux GT 447. Ah bon. Oh si. Oui, mais amélioré. Il y a un 447 et un 503. Voilà des gens qui... Ben voilà. Ah oui, c'est quand même du non caréné là. Ah, quoi qu'avec le gros réservoir et tout aussi. Oui, ça c'est un.
ça, même au sol, son moteur il roule. Voilà, regarde, Pierre, regarde. Ah, ça y est, comment ça se calme. Je travaille, je crois qu'il va le calmer. Hein. Ouais, c'est des enfants. Je sais qu'il va planter le bureau après. Je vais la gauche. Oui, parce qu'ils sont pour faire la copie de, du Londres Paris. Ah bah Xavier, c'est Sainte-Gauburge. Dis Pablo, ils vont un peu avoir un des deux villes. Donc oui, la même. Ah oui, c'est on vous les redonne ou vous en foutez? Non, c'est quand même mieux. Vérifiez quand même. Deux vérifications. Ah, bah, lui. Lui. Ah oui, il n'a rien. Lui. Si, il a notre. On va où? À Saint-Cyr. Saint-Cyr-la-Rosière. Ah oui. Sainte-Gauburge. Oui, oui, hein. Oui, oui, c'est collé. Oui, les deux. Attends, pour... Tu avais fait du plan, non? C'est du côté de Comerveille. Ça, comme en verrait, oui. T'attends, hein. Oui, ouais, encore 50 ans pour en faire. Oui, ouais, c'est ça. Je garde, c'est la même direction. Je garde ça en, pour la bonne bouche, là. Voilà. En réserve. C'est ça, en plus, ça me... Ah, le alors, planeur. Pensez à prendre, parce que ça se trouve, ça se passe bien là-bas. Ça se trouve, il y a des flics qui vont venir, tu sais, dès qu'il y a un peu de bruit. Donc, n'oubliez pas de prendre vos documents de bord, brevets, les trucs légaux, obligatoires. Huile, piquet et sangle. Bah, nous, si vous en mettez pas, on s'en fout. Hein. On se garera autre part, c'est tout. On en a déjà vu, vous verrez Varsa, il vient, ça dit quelque chose quelqu'un? Oui, Serge. Oui. Donc ici, il n'avait jamais écouté ce qu'on lui a dit, ça lui a coûté de mettre la 6 ou 9 sur un thermique, hein, qui a déclenché à côté. Vraiment. D'accord. L'huile, bah, chacun la sienne, le coco, ce sera là. Bah, comme d'habitude, hein, c'est ce qu'on vous a dit, vous vous posez ou vous posez. Saint-Cyr-la-Rosière. Jean-François à l'horizon, sa première vache contrôlée. Un Gachelin qui nous accueille sur son terrain. Il inquiète aussi de la sécurité. Donc... Oui. Ouais, c'est pour là que j'aurais été. Moi. C'est du brouillard, vous avez eu beaucoup de brouillard, hein? Non. Ah non. Ah, bah, 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 j'ai pu faire une nappe à un moment donné. Il y a un petit... T'es monté trop haut, peut-être? Ouais. Ah bah non, faut pas monter. Hein. Nous, on risquait pas d'avoir du brouillard. Ah non, non, c'est pas haut. Et c'est toi aussi qui t'es tourné un peu fou. Poivresse. Non, bah, j'espère que c'est pas une découverte. Allez, vieux débris. On a plus que ça, comme ça dit, ça qu'on est sur terre. On ne voit pas, ça se déguste. Oh, il y a encore deux, trois trucs. Tu parles de la télé et... Voilà. Une bonne pipe et... Une camomille le soir. Et le feuilleton. Tu les prends en haut de la côte, là. Génération jeunesse et sport. Là, c'est quand même... Là, c'est libre, là. C'est libre, là. C'est libre, là. C'est libre, là. Ça, ça va pas tomber. Voilà. Pour mon dos, moi, il faut que j'ai un dossier. Un dossier. Oui, moi, c'est pareil, ça tasse. Mais là, j'ai tout ça testé. Voilà. Ok. Alain. Bon, alors moi, je tiens la base de Beaulieu, pour la Loire, et je fais de l'ULM toute classe et aussi de la location de canoë. Ah, il y a de la concurrence. Bon, on n'est pas tout à fait au
droit, non, ça va. Jean-Luc. Voilà. Bon, alors Jean-Luc, ça y est. Alain. Et ils ont pas fini. Il en manque deux. Oui, oui. Non, non, je plaisante. Moi, je vole avec Alain. Je suis retraité. Je pense que ça suffit à votre curiosité. Là, je suis l'incognito. Et moi, je vais vous faire parler également, breveté par un certain monsieur Guy Vardavoine. Oh là là, la catastrophe. En 92. Voilà. C'est la cata. Et j'habite la Loupe à côté de nos gens. Garde du film. Hein. Et t'as couché pour avoir le brevet? Pour voler, ce que j'essaye de faire, j'ai commencé aujourd'hui, j'espère poursuivre demain. Bon, très bien. Pablo. Bernard Blanchard. Ouais, je suis né 3-12-45, je suis typiquement orangeau. J'ai eu un virus un jour en te rencontrant, voilà, déjà très longtemps. Il m'a dit si tu voulais sur Mistral, ce serait bien. Et il m'a trouvé vraiment un beau Mistral, j'en ai fait bon usage. Je l'ai terminé à Saint-Benoît-sur-Loire, quelque chose comme ça, au retour d'un Tour de France. Elle n'est pas soigneuse. J'ai fait 8 Tours de France, c'était le dernier parce que pour des problèmes de santé, maintenant je voulais sur un parc 3 et j'ai arrêté de voler pour des raisons de santé. Mais je suis toujours piqué par le virus, c'est pour ça que j'ai avec vous aujourd'hui. Carl, on ose à peine te passer la parole. Donc, Delta, jusqu'en 80, après ULM, pendulaire, Quick par Guy en 84, il a servi partout, je crois, 85. J'ai toujours le même quick, et le voilà aujourd'hui avec moi. Ah, voilà. Ah, et ça se voit, on peut le dire. Oui, vous voulez le 4-4 ou non, mais bon, je pense sur les 4-4. Non, j'ai fait le petit vol moins bien. Pierre. Bon, Pierre Darbier, depuis 86, 85, je crois. Et avant, tu t'appelais comment alors? Oui, j'ai pensé à la même chose. C'est à Gilles de parler. Surtout Carl, hein, quand même. Gilles Glandeur, patenté, maintenant ayant là, eu un statut, puisque retraité depuis le mois de juillet. Il a un statut. Depuis 70, je suis en extase devant les aurores boréales, mais je n'en suis pas moins athée. Alors, soupe. Michel. Bon, moi, c'est l'autre moitié. D'accord. Et vous avez du piment, si vous aimez ça, un peu relevé. Voilà. Voilà, je me laisse vivre. Gilles Pernet. Présent. Moi, je fais de la viande depuis les années 70. Levez la main, la soupe. Ensuite, j'ai fait le premier Londres Paris. Qui veut de la soupe? Parce que je trouvais que c'était rigolo de traverser la Manche. Et je connais Gilles depuis très longtemps parce qu'on s'est connus sur le premier Côte d'Ivoire, Côte d'Azur. C'est dans les rallyes africains. On a fait de la moto aussi, de la voiture. Donc voilà, j'aime bien tout ce qui vole, tout ce qui navigue, tout ce qui roule. Tu étais journaliste à l'équipe ou je sais plus, non? J'ai été 25 ans à l'équipe, 15 ans à TF1 et maintenant je suis pigiste entier. Tu filmes, d'accord. Jean-François. Alors tu mets sur pause, Brigitte. 7, j'ai fait du deltaplane en 87 et après un peu d'avion, et de plus en plus d'avion. J'ai trouvé une compagnie qui m'a formé aux joies du pilotage et je continue à apprendre à piloter grâce à Guy. J'ai encore du boulot. Bravo pour l'humilité. Il est en triple fête dans la semaine quand même. Voilà, j'ai réussi à en faire en partie mon métier et puis pour l'autre partie mes loisirs. Pourvu que ça dure. Michel Bernard, Yen depuis 55 ans, breveté pilote depuis 51 ans, bientôt, et ULM depuis 83. Et toujours photographe aérien, ce sont mes clients qui payent les heures de vol. Depuis 40 ans, c'est les clients qui payent. C'est bien, c'est une bonne idée ça. Et mon épouse, qui a été aussi un moment ma patronne, quand j'ai pris ma retraite. L'enfoiré. Et on a actuellement tous les deux une entreprise de photos aériennes. Une pour elle, une pour moi. Il a épousé sa patronne. C'était après. Ça. Et il en manque un là-bas. C'est parti. Qu'est-ce que je peux dire? Ben moi, ça fait 10 ans que je suis à Cap 28. J'ai commencé à... j'ai appris chez un certain Philippe Zen en 98. Voilà. Il y avait comme instructeur le vilain monsieur avec la casquette bleue là-bas, qui
m'a appris tout un tas de bêtises que j'ai bien sûr colporté. Non, non, ça va. Après, j'ai découvert grâce à lui la base Cap 28 où je suis venu me baser. À l'époque, j'avais un Toyota et j'ai eu l'emport de passager grâce à Guy. Et puis j'ai changé de monture avec celle que j'ai pas encore cassée que vous avez vu. C'est quiproquo là quand même. Hein. Comment? J'ai eu l'emport de passager et j'ai changé de monture. Ah, Alors c'est vrai que c'est certains c'est bien connu. Bonjour madame. Nous sommes chez Roland Chevalier. Enchanté, bienvenue. Enchanté. À Frodon. Bonjour. C'est toi qui le décolle quand t'as une piste en un peu en croix. Oui. Ouais. Pas un peu, une piste en croix. Oui, en croix, non mais je veux dire. Bonjour. C'est pas qu'elle soit fermée, voilà. C'est qu'il y a, c'est le seul terrain. Bien, on a refait une machine neuve pour Jean-Luc. Ce soir, on va attaquer le moteur. Oh oui, il est là-bas. Il faut qu'il prenne un peu la carburation, le circuit d'essence. Preneur à 65 000. Ah oui, je connais un peu. Et d'ailleurs, elle arrête pas loin. Voilà, et ben moi, il arrête pas loin, combien on veut. Je l'ai vu. J'ai vu son œil au mec. C'est pas sensible aux réceptions des gens galonnés de la Il y en a pas beaucoup quand même qui passent. Oui, il passe. Ah non, je suis le premier là. J'avais Gilles à côté, un pendule à gauche, un pendule à droite. C'est là qu'on voit la réalité de l'air, parce que tu bouges. Ah moi je le laisse faire. Hein. Oui, on voit bien. Là, c'est, vraiment, c'est souple, c'est harmonieux. Je me régalais là. Brutal, ouais, je commence à avoir en main la direction. Ouais. Agréable hier pour moi. Ah ouais. Ah bah. Ouais, parce que en fait j'ai une pression permanente à droite. Ça élargit le champ visuel. Oh dis donc, le luxe, le truc est...
matin, il était bien bleu à 7h. Bernard sourit. Tout va bien, sur toi. Somme à merveille sur la place du village. Non. Ah, mais tu les as pas. Oui, mais je n'ai pas tout mis. Mais Monique, nous reçoit. Les Bretons qui ne supportent pas le soleil. Ouais, voilà. Un bosseron qui ne supporte pas le soleil. Un bosseron. Un percheron. Bien Pablo. La défense. On est chez Serge Daudier à côté d'Alençon. Et là c'est François Prual qui se pose. Matos là, dis donc. Hein. Toute la famille Chiquinox. Ah, mais c'est pas ça quand t'as pas vu mon rassemblement l'année dernière. Non, bien, non, j'étais invité de mariage. Oh, j'en ai pas. C'est un cross, ça, non, ou un... Ah bah c'est déjà trop tard, Serge. Allez, qu'on passe, ça c'est mort. Ah, il n'en connaît plus une navante. Hein. Alors là, on est chez Fred, à Maisonneuve, à Desardières. Ah, ouais, t'as vu, il y a le même dans le dos là. C'est pas en bon état, tu vois, on s'est mis là pour pas qu'on se pose là. Tu vas voir là-bas, il y a une pente, après il faut la construire, tu te poses sur la dalle. Moi je suis impeccable garé à côté de la maison. Ouais, mais on voit ce qu'il y a dans la maison. Déjà, pour sortir de l'ancien terrain, ça va vite, hein. C'est beau là. C'est déjà reparti. Après, à ma mère, j'ai fait la déviation. Bon, ça va aller, vous savez. Vous avez le choix. Ah oui, moi j'ai entre la déviation et de l'eau. Ça ne fera pas d'alcool, tu vois. Thank you.
Ouais, on peut les rentrer, hein. Non ? D'accord, bah merci. Toi aussi, bonne soirée. Ok, salut. Oui. J'ai vu ça pendant 6 ans. C'est marrant ça. Hein. Là, le mec il a la moelle hein, parce que il y a du vent. Hein. Ouais. Ah bah félicitations. Hein. À peu près là. On reconnaît le vieux débris là. Jacques Rombé. Tu reconnais cet homme-là, Philippe ? Oui, bah bien sûr. Oui. Je ne sais absolument pas. J'ai prévu de dormir dans l'avion. Ah ben non, mais... Non, mais si tu cherches pas un relais château, on te loge. Hein. Comme Catherine vient pas, je suis... Vous plaît. Bonjour, ici Sainte-Gatte. Monsieur Sarkozy qui vous parle. On voit que dalle. Non, monsieur, non, j'ai pas de papier. Pas de papier. You speak English? C'est marrant, c'est quand même marrant. Et avec 25 ans de différence. Ah oui. Il y a le bon peuple qui vous attend, bande de feignasses. Ça va Guy? Ça va et toi? Il y a dormi? Ah bah, brièvement. Ouais. Voilà. Et maintenant, si vous voulez dérouler le ballon en câble. Un côté préférent pour le coupeur. Tu as vu le soleil qui se lève? Ouais. Vous voyez tout seul. Vas-y Gilles, tu vas gagner. Thank you.
qu'on a des... Ouais, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Vous avez inventé l'ULM. L'avenir des cellules photoélectriques qui ont des rendements bien supérieurs. Alors il y a déjà supérieur à ce qu'on a nous, mais par contre c'est beaucoup plus lourd et c'est pas flexible. Ah ouais. Mais justement, je me disais... Tu mets les cellules de gallium arsenidium sur qui a pour les satellites. Ouais. C'est encapsulé dans du verre. C'est hyper lourd, mais tu as plus de 30% de rendement. Apparemment, ils vont me le laisser 15 jours. Ouais, ils vont proposer de faire un tour là. Ouais, ah bah vas-y avec plaisir. Hein. Albé, c'est Suisse. Ah, et c'est Suisse. Il va le laisser, il va partir en pendulaire. Je crois que madame, elle va pas apprécier. Oh là là. Sur la tête. Ah, ça m'a fait plaisir de refaire ça. Ah là là. Merci.
n'est pas rien, hein. Toi, tu reviens ici. Ah, voilà. Attends, c'est ça. Voilà. Ah, écoute, merci beaucoup. C'est très plaisir. Ah, vraiment, ça m'a fait plaisir de me retrouver là-dessous. Ouais, puis c'est... Ah ouais. Ça vole tout seul, mais c'est bien. Ouais, ouais. Absolument. Ah, génial. Eh, ça faisait quelques années que j'avais pas fait de pendulaire. Ouais, ouais. On va voir avec la machine. Ouais.